Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler d'opportunités, d'affaires, de business quoi. Là, vous savez, l'agriculture c'est le business et parfois au pays, il y a des opportunités d'affaires qui passent et que beaucoup qui sont peut-être la diaspora ou même sur place, mais au pays n'ont pas souvent connaissance. Alors ici, je vais vous présenter les opportunités d'achat des terrains d'habitation. Ici, nous sommes dans la commune de, nous sommes à Soie, quoi, dans la commune de Soie. Bon, nous sommes à Soie, à 10 km après Soie, s'il faut dire ça comme ça. Et là, vous allez voir les routes, le lotissement a été fait, on a les lots, on a les différents lots de 1000 mètres carrés. Là, le lotissement a été fait sur 2 hectares. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de lots disponibles sur le site. Vous allez voir, par exemple, là, on en a qui ont déjà fait les pas d'acquisition et ils sont en train de couper le bois sur le site pour aménager, préparer la prochaine campagne. Alors, il faut dire qu'ici, il y a la possibilité de louer l'espace pour faire votre production agricole ou bien votre élevage. Vous pouvez aussi acheter l'espace. Votre part de terrain. Il faut dire ici, c'est vraiment pour les visionnaires, pour ceux qui sont vraiment visionnaires pour l'avenir. Donc, je vous présente cette opportunité. Si vous êtes intéressé par l'acquisition des terres d'habitation, vous pouvez contacter le numéro local au Cameroun qui s'y affiche et dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi contacter le numéro de l'étranger depuis l'Angleterre pour avoir plus d'informations et de conseils concernant les terres, si c'est pour l'acquisition ou si c'est pour la location. Il faut dire que le terrain est attitré, loti. Donc maintenant, c'est à vous d'acheter, de savoir ce que vous voulez faire avec pour le moment sur le site. Le terrain, je répète encore, le terrain est à 10 km de la ville de Soie. Accessible en voiture jusqu'au site. Bien loti, il y a les différents les lots de 1000 mètres carrés. Vous voyez, les gars sont déjà le bois là, un peu de partout. Il y en a qui ont déjà pris, qui sont en train de faire les plantations. Il y en a qui sont en train de préparer la prochaine campagne, comme vous pouvez voir là. Et ici, il y en a qui ont fait le manioc et le plantain et bien d'autres choses là. Donc, vraiment, chers jeunes, chers diasporiens, chers businessmen, businesswoman, ces opportunistes, ça c'est une opportunité vraiment à saisir. N'hésitez pas à contacter les différents contacts pour avoir plus d'informations concernant ces terrains. Donc, si vous voulez faire la campagne 2022, vous n'avez pas l'espace, vous voulez louer, alors c'est ouvert la location, c'est ouvert la vente. Lotis titré, il n'y a pas de souci. Pour plus d'opportunités, pour plus d'informations, pour plus de détails, cherchez le contact. Vraiment, le site est bien placé, bien structuré. Il y a énormément de routes, c'est ouvert partout. Là, nous sommes sur 2 hectares lotis. Donc, je pense que le tout vous revient hein, de prendre contact. Et puis, vous voyez là, c'est à viabiliser. Là, on est sur le site pour une visite. Comme vous pouvez voir, avec devant là, il y en a des visiteurs qui sont là pour des acquisitions. Donc, ça va jusqu'au fond, là, partout. Vous voyez, voilà, c'est la route. Ça va. Donc, vous voyez que je suis quitté d'un lot, d'un bloc à un autre bloc. Là, c'est l'axe principal. Il y a pas mal de lots là. On a un lot de 1000 mètres carrés. Donc, les détails sur le terrain, sur la location et l'achat, grâce aux différents contacts que vous avez. Il faut dire que à côté du site, on a comme voisin deux sportifs qui ont fait des acquisitions, eux aussi, de 5 à 10 hectares pour lancer leur projet d'installation de leur académie de sport. Donc, vous comprenez combien est-ce que la zone va bien se développer. On a aussi un ministre de la République qui a près de 50 hectares sur place qui, d'ici peu, va lancer un projet touristique dans la zone. Donc il y a pas mal de projets dans la zone et actuellement le goudron est en train d'être fait, le tracé en train d'être fait, le goudron qui va relier soit à SE va être fait. Donc
y a pas mal d'investissements dans la zone et je pense que d'ici à là, le secteur sera bien développé. Donc, chers agripreneurs, chers abonnés, chers Camerounais de la diaspora, chers Camerounais localement installés, voilà une opportunité. Peut-être vous n'avez pas la possibilité d'avoir des terres ou de louer des terres, mais si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à partager avec cette personne la vidéo afin qu'elle puisse venir profiter de cette opportunité qui est disponible. Disons à très bientôt pour une vidéo et pour un sujet encore plus intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités. Merci. Bye bye.